Et yo les gars, c'est Seroxys pour une nouvelle vidéo, un nouveau live. Aujourd'hui je suis avec... J'ai fait 2-3 petites games avec Gary. Mais comme vous le voyez là, il doit y aller, mais c'est pas grave. Alors la vidéo d'aujourd'hui, ça va parler de la nouvelle mise à jour qui était sortie. Une nouvelle mise à jour qui, grâce aux personnes qui ont le pass, ils peuvent débloquer Erenicor. Si vous voyez. Même l'écran de chargement qui est vraiment incroyable. J'espère que la vidéo va vous plaire et bon visionnage. Alors est-ce qu'il y a une nouvelle ville là-bas? C'est quoi ça? Attends, ça veut dire, dans cette nouvelle île, là-bas, il y a un petit truc. Il y a un NPC, là. Ah ouais, il y a un NPC. Ok, c'est pas grave. Ça, c'est encore un endroit gris, alors on va le visiter. On va juste voir qu'est-ce qu'il y a. C'est quoi ce bordel? Pourquoi mon aura est à zéro? Alors les gars, pour les gens qui se demandent, ouais, pourquoi dans ma précédente vidéo il y avait quelqu'un qui m'a pas insulté, etc. C'était juste parce qu'il était soit jaloux, soit il rageait. Mais franchement, c'est un abonné qui a quand même pas bien fait son travail. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il y a sur cette petite île là, parce qu'on n'a pas encore spawn. Dans 15 minutes, il y a les nouveaux défis. Alors ça, on va voir. On va jouer direct. C'est pas grave. En attendant, on va essayer d'y aller ici. Il y a même des nouvelles armes qui sont apparues. Il y a le grappin de RM. L'équipement pré-tridimensionnel, c'est ça? Non. Maintenant, on va y aller sur l'île qui est apparue. Une nouvelle petite île qui est apparue. Cette petite île, elle est nouvelle. Il y a un NPC qui est là-dessus. Wesh. Ah ouais, c'est le skin laser là. Wow, par contre, le stuff de malade qu'on a là. Il manquerait plus qu'un skin SMK, après ça on y prend. Il montrait plus qu'un coffre SNK après ça, mais bien. Wow, par contre, le nombre de coffres qu'il y a là, frère, c'est... Alors, j'espère que la vidéo va vous plaire et... N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et surtout activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Mais d'où on rentre un? Il reste un NPC à découvrir, il est juste en dessous du gars là. On va pas expliquer ça. Tiens.
un stuff full vert. C'est ça le problème. Parce que si mon stuff il était bleu, je serais content. Mais là, mon stuff il est full vert. J'ai même pas encore trouvé les nouvelles armes. Il y a peut-être. Il y a encore une autre arme qui doit arriver. Qui est prévue de sortir. Je crois la semaine prochaine. C'est le pistolet. C'est le pistolet intelligent. Le pistolet intelligent, il te met une balle, il vise automatiquement la personne. Après ça, boum, il te met une balle. Alors, où est-ce qu'on peut trouver des nouvelles armes? Là, je vais déjà prendre le drapeau. Attends, c'est un mec? Ah non, c'est un NPC, frère. Les NPC, frère, qui font bien peur. Ah, bah ça, c'est un mec, ça. Ça, c'est un mec, par contre. Ce pompe, en plus, il est meilleur que le pompe ravageur. Merci. Il est venu vers moi, il m'a offert carrément un pompe. Il l'a offert. Une bonne pioche exotique. Oh yes! Oh la PM exotique. C'est pas la bonne, mais c'est pas. Ça lâche quoi? Ah yes, ça lâche une PM ouf. Je crois que je vais prendre deux splash à la place des. Attends, c'est quoi? Voilà. Il n'y a plus l'événement de Pâques. L'événement de Pâques est fini. Vache. C'est quoi ça? Il y a un sabre en bleu maintenant? Depuis quand? C'est quoi? On va le prendre. Depuis quand il y a un sabre bleu? Ah ouais, la modification aussi, c'est que le sabre il est passé de mauve à bleu. Ça lui donne, ça va lui permettre de moins, pas de moins, de plus. Ah d'accord, voilà. Ce pompe-là, en fait, il a une cadence plus rapide que le pompe à chat. Le pompe de guerre, là. J'espère juste qu'il y a un coffre battle des titans. Moi, je me dis ça, je me dis rien. Voilà, page. Oh la vache, les motos sont produits à contrôler. Bon, attends, wesh. C'est quoi ça? C'est un coffre légendaire. Ah. J'ai un pistolet mitrailleur exotique. Franchement, à quoi ça sert de prendre la PM move si la exotique elle peut nous permettre un avantage?
achète la pierre. Ici, le jeu. Il y a à chaque fois des gens parfois qui se cachent ici, là, dans le recoin, et ils attendent ici comme des merdes. Non mais oh les gars, arrêtez de me donner la pomme. Oh là. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait bien prendre? Parce que le pompe mythique là. Bon. S'il remet les mêmes dégâts. Hein? 138? Pendant qu'avant, il faisait du 144? C'est quoi cette arnaque? Mais pardon? Mega City, c'était franchement une grave ville. Alors, les nouveaux défis qui viennent dans 6 minutes. Alors, comme vous le voyez déjà, j'ai déjà fait tous les défis d'Eren. Bah, comme vous connaissez bien, je suis un tryharder pour tous les défis. Je suis un tryharder pour tout ce qui est défis, etc. Y'a un mec. Y'a un mec, je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il y a un mec. Je sais pas si tu prends le pompe. Ok, tu sais quoi? Le pompe ravageur, c'est le pompe le plus merdique contre les questions que je joue avec. Allez, ça me dégage. J'ai pas de sabre, mais c'est pas grave. Même si j'ai pas de sabre, je peux gérer. Je peux gérer la game même sans sabre. Alors, je pense que... Je pense qu'après cette game, je peux... Ouais. Ah le grimpin! Il est où ce grimpin? Y'a un mec là-bas, non? Oh non. J'ai rêvé. Y'a des gens sur l'île. C'est littéralement de la frilise avec les rushs. Alors il y a un mec là-bas, quand vous connaissez bien, on va faire le crampeur. Mais j'en ai marre, à chaque fois c'est les mêmes gros qui me butent, j'ai l'impression. C'est pas grave. Oh là là, frère, à chaque fois je fais des erreurs de merde. Mais. À chaque fois que je fais des erreurs de merde, j'ai l'impression que j'arrive pas à les. À pas les refaire.
Purée. J'espère juste, les gars, que aujourd'hui, j'ai peut-être avoir 50 abonnés. Je sais pas, mais j'ai dit quelque chose comme ça va peut-être jamais arriver, mais. Je pense que si j'arrive, si dans la prochaine game j'arrive à gagner, là je pense que vous avez le droit de vous abonner. Mais non, je plaisante. Abonnez-vous quand même. Franchement, ça me soutient énormément. Le défi des groupes de pacificateurs qui vient dans 2 semaines. C'est quoi cette arnaque? Dans 1 minute, ça passe. On fait semblant, il s'est rien passé. Allez. Pas l'espoir. J'ai fait exprès que le gars il me tue en fait. Même jouer tranquille, je peux pas. Impossible. Ouais. Que ce bordel? Pourquoi il y a des. Oh voilà. Atterrir sur une rail de glisse pour avoir. Ah, après avoir sauté du bus. Ah, ça veut dire que je dois sauter à Mega City. Ramasser un objet ou une arme en glissant. Ah, ça passe. Infliger des dégâts aux adversaires plusieurs fois d'affilée à te lance foudroyant. C'est quoi ça? Ok. Prochain défi, infliger des dégâts à des adversaires à moins de 60 secondes après avoir atterri. Atterri depuis le bus de combat. C'est pas grave. Le défi de Eren Yeager, tous les défis, je les ai déjà faits. Ah, tous les défis, ah, presque. Alors, c'est quoi ce défi? Infliger des dégâts à des adversaires sur fois d'affilée avec le lance broyant. Où est-ce qu'on peut trouver ça? Ah ouais, peut-être à B-Square, non? Alors, tu sais quoi? La ruée offensive de la lame cinétique. Attends, tu sais quoi? Viens, on part là. Attends, non, non. Tu sais quoi? Viens, on part à Mega City. On atterrit sur la rail. Après ça, on se casse. On glisse en même temps qu'on prend une arme. Après, dès qu'on a fait ce défi, on part. On se loot, on prend une voiture, on se casse, on part là-bas, on prend un sabre et après, on fait le défi. Après les défis là, c'est quoi ça?
Alors, je vais direction Mega City. La découverte de la nouvelle saison, c'est qu'il y a aussi des nouveaux défis. Pas ceux-là, mais des défis-là qui donnent aussi une récompense un peu bonus. Par exemple, celui-là, ça donne un défi de Divide. Et il y a celui-là, là, qui tourne, qui donne un graffiti de... Oh, purée. J'ai la flemme. Ah, voilà. Enfin, j'ai un sabre. Voilà, vas-y dégage. Attends, ça voici le bleu. Merde. Purée. L'autre sabre il est meilleur. Celui-là il est nul. Il a que deux recharges. Zéro d'or. C'est quoi ce bordel? Pourquoi j'ai zéro d'or? Infliger des dégâts des adversaires avec différents types de fusils à pompe. Bah, différents types de fusils à pompe. Déjà, les fusils à pompe, c'est introuvable. Je dois faire des dégâts avec trois différents pompes, c'est un truc. Ouais, je pense que ça va être peut-être bon si j'arrive pas à me mettre là-haut. Ça a marché? Après avoir sauté du bus, je sais pas ce qui est cool. Faire des dégâts de 3 de différents types de fusils à pompe. Je vois ce défi en fait il y a un... C'est pas clair. J'ai juste besoin du pompe de guerre là, mais bon, après je suis tranquille.
Purée. Y a pas le pont que je... Ah, ah bah enfin il arrive. Purée, enfin une crève. C'est quoi ça? Oh yes! Enfin il est là, ce plonge. Et moi qui croyais qu'il allait jamais venir. Je pense que dès que j'ai fini les défis, je pourrais... Voilà, sûr. Là, j'ai plus que besoin du grappin, du lance-roquette là, de SMK. Alors, après, je suis tranquille. S'il y a quelqu'un qui a cette arme, je pourrais venir. Wesh. Je rêve. Il y a eu un mec qui a essayé de mettre une balle là. Bah, je suis en ça. Cool, hein. Ah, mais d'accord, je comprends maintenant où est-ce qu'on peut trouver les coffres. Les coffres de SMK. On peut les trouver à Enfield Square. Près du truc là. Près du bunker, je pourrais dire. C'est pas un bunker, mais c'est un bunker. Mais le truc, c'est qu'il n'y a pas de... C'est que je sais déjà que à Enfield Square, il y a déjà des gens qui ont soit fouillé la cave de RN pour récupérer le truc. Là, je dois que mettre encore un dégât avec le pompe move. Voilà. Oh merde. J'ai débloqué un nouveau style, un nouveau skin. Je savais pas ça, moi. Où est-ce qu'il est le truc là?
Des trucs de RN. Ah d'accord, c'est là. C'est par là qu'on poste. Et comme d'habitude, il y a des gens qui l'ont déjà fouillé. Bien, bien, bien. Comme si qu'on ne le savait pas. Et maintenant, il y a peut-être encore un coffre ici. Parce que de base, quand il y a un truc ici. Ah, bah voilà. Où est-ce qu'il est lui? Ah, il est là! Qu'est-ce que tu fais, mec? Comment tu peux jouer avec des tryhardeurs de merde comme ça? Purée! Je peux même pas profiter une fois? Non. Il y a que des gens qui viennent que pour me casser les couilles. Oh là 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 là. Purée. À chaque fois c'est pareil.
Oh, allô, mec. Allô. Mais y a pas de lance-roquette mythique là. Pourquoi ce lance-roquette, frère, je le cherche depuis presque une heure, il est pas là. Ne me dis pas qu'il se prend qu'il est à l'intérieur. Il a les deux armes mythiques, mais... Purée, Eren Yeager avec un sabre, on a déjà vu ça, non ? Allô mon coq, ouais, je suis en vidéo là. Oh, t'as quelque chose à dire à l'autre? Je crois que oui. Dis quelque chose juste. Il va me dire quoi, il va m'insulter encore. Dis juste quelque chose. Parce que je suis en vidéo là. C'est chiant. Je suis en vidéo en plus. Il est en vidéo. Ouais, ça me bloque. Il n'a pas répondu. Sale chien. Ah, il est en train de sale chien. Putain, mais frère, arrêtez de me faire kiffer en fait. Ouais. Bah, bien sûr que je t'entends, qu'est-ce que tu crois? Putain, frère, il est con ou c'est quoi? C'est les crampés. T'as dit tu viens bientôt, non? Ah ouais, t'es dans. Bah bientôt frère, là je dois arrêter. Il est là. Mais non, faisant ça. Vas-y, on se voit sur le live. Hein? Oh live! Sur Fortnite. Alors les gars, j'espère que la vidéo vous a plu. Salam, Roya. J'espère que la vidéo vous a plu. Et on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, un prochain live. C'était Sterox. Allez.